On va maintenant en venir un peu à finalement le film qui a permis de tout démarrer, qui est Les Valseuses, film emblématique des années 70, qui a vraiment révolutionné le cinéma à sa manière. Dans Les Valseuses, il y a un comédien qui va être le comédien marquant de votre carrière, qui est Gérard Depardieu. Je crois que vous l'avez rencontré chez Marguerite Duras, c'est ça? À quelle occasion? Marguerite avait besoin de tourner un film. Elle tournait un film avec Jeanne Moreau et Lucia Mauze. Elle avait besoin d'un chat. Voilà. Elle savait que j'avais un chat. Et donc, je suis allé sur le tournage avec le chat, qui ensuite a tourné dans le film de Marguerite. On le voit, il parcourt un piano. Hein. Et là, il y avait un grand garçon habillé dans un complet de flanelle de représentant de commerce, c'était le rôle qu'il jouait dans le film de Marguerite, qui était en train de pêcher dans l'étang derrière la maison de Marguerite. Et puis j'ai parlé avec lui et j'ai vu qu'il y avait chez le garçon une lumière particulière. Et je venais, moi, de commencer le travail avec Bertrand Blier. Bertrand Blier. Donc Bertrand m'avait fait engager pour une très longue période, parce que je travaillais plus d'un an sur le film. Alors je participais en fin de séance comme ça à l'écriture, mais j'ai bien vu que c'était pas quand même une position qui était bien nécessaire. Il y avait Bertrand, il y avait Philippe Dumarsais qui était donc le garçon avec qui j'avais écrit Tendre Chasseur. Donc il fallait par ailleurs trouver les comédiens, il fallait trouver les décors et il fallait mettre en place l'équipe. Bon, donc voilà mon travail, c'était ça. Et donc tout à fait au début du travail de recherche de comédien, je suis tombé sur Gérard. Donc je suis tombé sur Gérard et le lendemain, je l'ai présenté à Blier et Cloudon, le producteur. Alors ça s'est extrêmement bien passé, on a ri beaucoup, tout allait très bien. Mais quand il est sorti, le producteur est Blier et surtout le producteur était plus perplexe. Ils ont dit, écoute, ton gars, il est vraiment bien, il est super, mais je crois qu'on va pas le prendre parce qu'il a un physique de jeune premier agricole, il ne plaira jamais aux femmes. Voilà ce que j'ai répercuté donc sur Gérard aussi. Et Gérard a eu la force, lui, de venir à peu près me voir pendant 3-4 mois, tous les jours. Et il s'est comme ça installé en fait. Il a un peu forcé la porte. Et au bout de 3-4 mois, il n'en pouvait plus parce qu'il n'avait toujours pas de réponse. D'autres étaient déjà engagés. Miu Miu a été engagé rapidement. Rapidement parce que Miu Miu, elle faisait ce soir-là. On était parti avec Bertrand pour voir des acteurs. Le théâtre du Splendide. C'était pas la troupe du Splendide, c'était le vrai chic parisien de Coluche. Et ce soir-là, la fille qui faisait Ginette Lacaze, puis c'était le nom de la pièce en question, du spectacle, elle était malade. Elle a été remplacée par la petite copine une petite copine de Coluche, qui travaillait au Café de la Gare un peu, et qui était Miu Miu. Et Bertrand a flashé immédiatement sur Miu Miu, donc Miu Miu s'est retrouvé engagé dans le film très rapidement, plus rapidement que tous les autres. Donc Gérard, ça a été beaucoup plus long. Comment il était ce Gérard-là au tout début de sa carrière? Il avait Les Valseuses, c'est son premier grand rôle au cinéma. Il avait fait des apparitions dramatiques à la télévision. Pourquoi finalement Gérard était le comédien qu'il fallait pour ce film Les Valseuses? Bah écoutez, il faut considérer aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeunes comédiens. Les plus jeunes comédiens, c'était Samy Fray, Claude Brasseur, des gens comme ça. Donc il y avait une vraie coupure, mais eux, ils avaient 30 ans, ils avaient 35 ans. Il y avait une génération absolument renouvelée. Et donc on a fait le casting. Et moi, j'ai fait ses recherches. Ensuite, Patrick est venu. À un moment, Bertrand a pu souhaiter et a même réécrit une partie du rôle pour Coluche, qui a fait des essais. Et qu'est-ce qui n'a pas convenu avec Coluche? Bah, ce qui n'a pas convenu, moi je ne peux pas le dire, mais moi personnellement je n'étais pas partisan. Et Bertrand a considéré que ce n'était pas une idée si bonne que ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a revu Patrick, que j'avais déjà vu.
Et dans cet autre registre, Patrick Devers, aussi grande figure du cinéma des années 70-80, qu'est-ce qu'un comédien comme Patrick Devers apportait lui aussi à ce film? On a bien compris le côté, côté de Gérard, et c'était des premiers rôles pour eux aussi. Pour ça, comme spectateur, vous l'avez vu, une espèce de vitalité, une fraîcheur, un bonheur de vivre, enfin un bonheur de jouer en tout cas, qui était l'apanage de toute cette troupe. Hein. Toute la troupe et la qualité des valseuses, c'est justement cette espèce de vitalité qui a porté aussi... Si je dis que ces trois comédiens qui vivaient les rôles dans lesquels ils étaient de l'intérieur. Oui, mais ils ont livré toute leur personne dans le film, c'est clair, mais ils ont fait d'autres choses après, différentes, hein, c'est des comédiens aussi. Et puis il y avait Isabelle Huppert, qui avait fait des essais époustouflants. Hein. Et puis il y avait Chailleux, qui était le fils de Moreau. Enfin bon, il y a toute une équipe de gens. Ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup insisté auprès de Bertrand pour que l'équipe technique, soit une équipe technique de jeunes. Parce qu'à un moment, il a pu être tenté, Bertrand, de prendre les techniciens qui avaient travaillé avec son père. Et donc, on s'est retrouvé avec, en fait, c'est toute l'équipe qui venait de mes courts-métrages. Bruno Nuiten n'avait pas fait de long métrage, Hélène Viard, Dalmasso, toute cette troupe-là. Qui écrivent, monteuses. C'est des gens ils en étaient tous aussi à leur premier film. C'était mes copains. Et je me suis dit, ce sera la meilleure façon de ne pas me faire chier sur le film. Hein. Et c'est vrai que ça a été un film très, très heureux. L'équipe technique, elle est venue notamment en grande partie de vous, les comédiens. Vous avez eu un vrai regard sur ce casting, mais au-delà de tout ça, quelle a été votre application sur ce film? Est-ce qu'il y a des dialogues auxquels vous avez participé à l'écriture? Non. Moi, je travaillais pour Bertrand, c'est clair. Hein. Je travaillais pour Bertrand et j'ai essayé de faire entendre mes convictions. Hein. Voilà. Et de faire marcher toute cette petite machine humaine, hein, qui était un peu débordante de vie, hein, aussi. Donc ça a été un tournage costaud, on va dire, aussi. Hein. Vous aviez la sensation, parce que c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup révolutionné le cinéma et qui a vraiment beaucoup marqué tous ceux qui l'ont vu. Oui. En prélude de ce tournage, vous aviez la sensation que c'était vraiment pas un film comme les autres auxquels vous participiez? Oui, c'est un film différent, oui c'est clair. Ouais. Il y avait une pêche, hein, il y avait une vitalité... particulière et qui est quand même sortie au principal aussi de l'écriture de Bertrand, hein, qui avait eu du mal, hein, à monter le film avant que son livre ne devienne un succès. Mais Bertrand, il avait dans l'idée aussi de faire son film. Hein. Et moi, je me souviens que j'étais premier assistant, donc, hein, par ailleurs. Et sur les premiers jours de tournage, j'ai dit à Bertrand, attention, regarde, on doit respecter le plan de travail, il faut arriver à faire le film en 9 semaines ou 8 semaines et demie, je sais pas. Et Bertrand, j'ai vu à sa réaction qu'il entendait faire le film comme il pourrait et il voulait le faire. Bon. Donc on a fait le film, on a mis 13 semaines et demie, je crois. Et on a voyagé partout. C'était un cirque. Hein. On est parti, on est à Paris, à Rouen, on était dans le nord, on était dans le sud, on était dans les Alpes, on a voyagé comme un cirque itinérant, quoi. Et après la sortie du film, on l'a dit, c'est un film qui a fait beaucoup parler, pour beaucoup, certains l'ont même considéré comme étant un peu sulfureux. Ouais. Comment vous avez-vous ressenti, vécu la sortie de ce film et les réactions que ce film a pu engendrer? Bah, écoutez, moi, je ne trouvais pas que c'était un film... Je sais pas, il y a eu des réactions de féministes à l'époque, à la sortie, mais moi j'ai plutôt trouvé que tout ça a été parfaitement sain, hein, sulfureux, plein de vie surtout. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait toute une liberté qu'on n'avait peut-être pas rencontrée de cette façon-là auparavant, en tout cas sur les rapports hommes-femmes, des jeunes, tout ça. Et sur la représentation aussi des images du corps, enfin, qui étaient montrées dans le film, qui était certainement très nouveau à l'époque où le film est sorti. Mais il y avait une fraîcheur dans le film.
le film, il reste, je crois, et par sa fraîcheur et par sa vitalité. C'est un film qui n'a pas vieilli. Il vieillit pas. Non. Il vieillit pas. On peut le revoir encore aujourd'hui. Il est jeune, oui. Ah ouais. Peut-être parce qu'il était déjà en avance sur son époque. Je suis pas sûr qu'il était en avance, mais il avait ces qualités-là qu'il n'a pas perdues. La fraîcheur et la vitalité. Je suis pas sûr que ça soit un film, pour autant, qui ait été un film d'avant-garde ou. Non, c'était une manière joyeuse aussi, enfin, de porter une histoire. Je voudrais qu'on aborde un petit peu quand même Bertrand Blier, oui. Réalisateur de ce film Les Valseuses. Il était comment Bertrand Blier? C'était quel type de professionnel, de réalisateur sur un tournage? Bon, il était très précis, hein, Bertrand, très très précis. Il avait son film dans la tête et il l'a suivi, maîtrisé jusqu'au bout. Parfois, il était un petit peu débordé par les scélérats qu'il avait autour de lui, hein, parce que c'était... Donc, il donnait parfois l'impression d'être un tout petit peu... bousculé, mais en même temps, c'est lui qui maîtrisait parfaitement son embarcation. Pourquoi vous n'avez pas collaboré à nouveau avec lui après ? J'ai pas collaboré, Bertrand m'a demandé après, mais moi j'avais. Ensuite j'avais d'autres projets. On a travaillé, on est resté très liés avec Depardieu, donc on s'est retrouvé sur des projets en commun, ou moi comme assistant, ou comme dialoguiste pour Ferreri. Et puis ensuite, on a eu l'envie de faire un film ensemble. Donc, je passe à l'écriture, et puis j'ai dû faire mon film 3-4 ans après Les Valseuses. Merci.